Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview. J'ai avec moi Jean-Marie Ecaille. Comment est-ce qu'il va bien, Jean-Marie Ecaille, en ce beau mois de juin? Ça fait plaisir de revenir par chez toi, la deuxième fois, ouais. C'est cool. Il vient quand même ici parler donc de Guitare Aldé, voilà, j'essaie de le mettre au bon endroit. Donc c'est la combienième édition de ce festival? Là on est sur la douzième édition de Guitare Aldé, ouais, ouais. Du festival. Ah oui, c'est marqué dessus, numéro 12. Que j'ai créé à Andaï, festival, bon, voilà, où les artistes principaux sont des guitaristes. Bah c'est bien ça. Voilà. Et puis un magnifique programme. Robin Ford en tête, ton copain Robin Ford, c'est ça? Ouais, ouais. On peut dire ça comme ça, voilà, à force de le croiser depuis pas mal d'années, de jouer avec lui, bon, on peut dire que c'est mon copain, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Alors, moi qui ne suis jamais allé au Guitare Aldé, mais ça, les planètes un jour finiront par s'aligner. C'est pas faute que je t'invite, on est d'accord. Hein. C'est pas faute, effectivement, que tu m'aies proposé, mais je suis sûr qu'un jour les planètes s'aligneront et que ça se fera. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme moi, qu'est-ce qui fait que le Guitare Aldé est un festival particulier, qu'il faut absolument y aller, et ça se déroule, je le rappelle, du 5 au 8 juillet. Ben, il y a plusieurs choses. Bon, évidemment, la proposition musicale, c'est la première pour les amateurs de guitare et de musique en général. Ouais. Ça, c'est le premier atout un petit peu qui peut faire tilter les gens pour venir, j'espère, en tous les cas. La seconde chose aussi, c'est qu'on est au mois de juillet. Andaï, c'est une station balnéaire qui est juste en face de Fonterrabie, qui est la ville en face en Espagne. Ouais. On peut traverser avec un petit bateau, 5 D'accord. minutes, aller manger tapas, boire des coups, c'est super. D'accord. Voilà, c'est très sympa aussi. Et donc voilà, donc je pense que c'est une bonne combinaison entre un peu vacances, aller écouter un peu de musique de qualité. Et voilà, donc voilà un petit peu comment je vois les choses pour Guitare Aldé. Et donc Guitare Aldé, on a toutes les informations sur guitaraldé.fr. Et donc toi, tu es directeur artistique, hein, c'est ça, hein? Oui, petit rappel, oui, en fait c'est un festival que j'avais créé avec David Gallet qui travaillait avant à la mairie aussi. Ouais. On est les co-créateurs de ce festival à la base. Et là, depuis 12 ans, c'est moi qui fais la programmation. Donc oui, on va dire que officieusement, je suis le directeur artistique, effectivement. C'est un nom bien pompeux, mais c'est un peu ça l'idée, oui. C'est quand même très officiellement marqué sur le site web, Jean-Marie. Exactement, j'assume, il n'y a pas de problème. Ah ouais. J'assume. Et alors, sérieusement, dans la pratique, ça consiste en quoi, directeur artistique? Ça consiste à regarder son calendrier de ses petits copains et puis dire tiens, qui c'est que j'aimerais avoir? Ça consiste déjà à faire d'une part la programmation, évidemment. Ouais. Et puis, comment on construit une programmation comme la programmation se fait évidemment sur des choix avant tout artistiques, comme son nom l'indique. La plus grande difficulté pour moi sur un festival comme ça, c'est de un petit peu de combiner des styles différents. La guitare étant un instrument qui est tellement éclectique, et c'est là où je trouve mon plaisir, moi, à organiser ça, c'est que on fait des vrais concerts de musique classique totalement acoustique dans une chapelle. On peut faire des trucs qui envoient un peu plus, comme l'année dernière Patrick Ronda ou Nono il y a 2 ans. On peut faire du jazz rock comme j'ai pu faire avec des gars quand même comme Scott Henderson, Frank Gambale, Mike Stern. Cette année, bon, c'est pas les pires, on va dire, dans le monde, dans ce style-là, on va dire ça comme c'est ça. C'est pas les pires, on peut le dire. Ouais, c'est quand même un honneur d'avoir des gens comme ça qui représentent aussi bien ce style de musique un peu fusion, jazz, blues, voilà, tout ça. Puis après aussi, l'avantage de la guitare aussi, c'est que c'est un instrument populaire d'accompagnement. Donc il n'y a pas que de la musique instrumentale. Et moi, personnellement, qui viens du rock, de la musique pop, tout ça, pour moi, j'accorde autant d'importance à l'accompagnement. Et donc, ce qui me permet aussi de justifier tout à fait le fait qu'on fait devenir des artistes populaires qui ne font, entre guillemets, que s'accompagner, mais ce qui est déjà une... pas évident. Je peux te dire qu'il y a plein de chanteurs, les parties de rythmique qu'ils font, c'est... Je défie beaucoup de guitaristes solistes de se coller à leur partie. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que c'est mieux, plus difficile, moins difficile? On s'en fout un peu. C'est pas la question. Le fait est que la guitare aussi a un rôle d'accompagnement dans la musique populaire que je trouve très intéressant. Et d'où le fait que je programme aussi des artistes aussi connus. Tu vois, cette année, nous allons avoir la chance d'avoir, par exemple, Thomas Fersen, tu vois, qui en plus, accessoirement, est un poète, un écrivain incroyable. Ses spectacles sont toujours différents, quoi, et pourtant ça rentre quand même dans le créneau variété entre guillemets, donc chansons un peu connues, quelques tubes, tout ça, donc c'est bien, ça va faire venir du monde, c'est aussi le but aussi de ce genre d'artistes, ce sont un peu des locomotives pour faire venir du monde dans ces festivals.
les gens ne sont pas censés forcément connaître Robin Ford, le public moyen, c'est tout à fait normal, hein, c'est pour un public d'averti, ouais. Même si c'est une grosse star internationale, ça reste quand même pour des gens avertis. Donc du coup, voilà, tout le monde se bénéficie d'avoir des gens connus. Alors la seconde personne aussi, on va dire dans les trois têtes d'affiche, qui est aussi connue que Thomas, ou si ce n'est plus même, c'est Diane Tell. Bah, écoute, Diane Tell, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a pas mal d'années au Pays Basque, parce qu'elle habitait, tu dois savoir, au Pays Basque pendant quelques années avant de repartir en Suisse. Et c'est une artiste que je connais aussi depuis très longtemps, forcément, que j'aime beaucoup. Et il se trouve que l'année dernière, je suis allé la voir à Montrouge, au festival de Montrouge. Elle était en solo, elle m'a vraiment scotché. Là, la performance vocale, s'accompagner. Surtout que, comme tu sais, ses chansons, ne serait-ce que son super tube, là, Si j'étais un homme, c'est harmoniquement, faut y aller, quoi. Et vraiment, elle m'a étonné. Et je me suis dit que ça serait logique de l'inviter cette année. Un peu dans ses terres, parce qu'elle a vécu pas mal d'années là-bas quand même, mine de rien. Je sais qu'elle aime beaucoup le Pays Basque, elle a beaucoup d'amis, de la famille. Donc voilà, c'était tout à fait logique que Diane débarque en Dai. D'accord. Et je suis ravi qu'elle débarque. Donc elle va faire un spectacle en solo. Donc guitare-voix. Guitare-voix, ouais. Et après il y aura Thomas Fersal en quartet. Mais sauf que, comme voilà, comme on se connaît un petit peu, l'idée a germé entre nous que peut-être je viendrai faire quelques morceaux avec elle, de façon un peu officielle. Donc peut-être que je viendrai vers la moitié de son show, un petit peu mettre un petit peu de quelques petites notes autour de sa guitare, de sa voix. D'accord. Ça va être sympa. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on sache sur Guitare Aldé? Bah, je pense que donc si vous voyez la date, hein, 5, si 6, vous 7, voyez 8, le programme, peut-être que j'aimerais quand même citer aussi, il y a une très belle soirée qui est chapeautée par Yama, qui est mon endosseur, avec trois artistes qui ne sont pas forcément très connus, mais qui méritent vraiment. Il y a ce fameux Patrick Manoukian, que tu connais, ce guitariste qui jouait tout le monde, avec Manu Katché, j'en passe, c'est les meilleurs. J'ai jamais eu l'occasion d'interviewer. Guitariste, moi, je l'ai entendu faire en dehors, quand il fait le job avec les gars, il fait ça super, mais aussi, il peut jouer en solo. Mais elle laisse tomber, quoi. Non, mais c'est un martien, lui. Il joue terrible, Patrick. Et après, il y a une chanteuse que j'ai découvert à Bermont-Rouge aussi, qui s'appelle Alice. Tu as entendu parler de cette chanteuse? Absolument pas. Alors Alice. Là, je te recommande d'aller voir ça sur Internet. D'accord. Alice. Elle est toute seule à sa guitare. Elle est auteur-compositeur, interprète, évidemment. Et elle fait des textes fantastiques, des très belles chansons. Elle a une formation classique. Donc, c'est assez esbouffant. Elle s'accompagne super. Et elle te met des poils. Hein. D'accord. Je sais que moi, il y avait quelqu'un de chez Yamaha. Ouais, j'étais à côté de lui. Il ne la connaissait pas. Il a écouté. Au bout du deuxième morceau, il pleurait carrément. D'accord. Ce mec balèze, c'est le moustache. Il avait la larme à l'œil. Alice, vraiment à découvrir. Okay. Et après, il y a Moe Kouyaté aussi, qui est aussi chez Yamaha depuis des années, que j'ai failli faire venir au Guitare Aldé il y a bien longtemps, qui va venir avec son cousin Kouyaté, de son nom de famille et de son prénom Abdoulaye, qui joue de la kora. D'accord. Ça va être chaud. Ça va être, et ça aussi, il joue super. Puis il va nous faire aussi un petit masterclass. Ça va être super, Moé, le lendemain. Ça va être très original. Donc voilà, ça, c'est un plateau aussi que je voulais vraiment présenter. Et puis de même, je voulais présenter aussi un autre plateau pour lequel Savarez m'aide beaucoup aussi. C'est Jérôme Souza aussi. Voilà. D'accord. C'est un jeune chanteur pareil, un peu dans la veine, un petit peu des Diane Tell et autres, Michael Jones. Enfin, il fait sa propre musique. Paroles, musique, tout ça, et en plus c'est un très très bon guitariste. Sur scène, il fait pas mal de loops. D'accord. Donc vraiment c'est très pointu ce qu'il fait aussi, et à la fois c'est très populaire aussi, même s'il a pas encore fait de tube. Je lui souhaite qu'un jour il en fasse un. Mais je pense que ça va être très agréable aussi. Puis évidemment après il y a les concerts à l'église, comme je te disais, classiques. Il y a un duo de cubaines, il y a des concerts du off. Bon, il suffit juste d'épelucher, pour ceux qui sont en Dai, vous épeluchez un petit peu le programme. Il y a une très belle artiste aussi avant Robin Ford que j'aime beaucoup, une nana qui fait de la musique baroque au violon, et puis tout d'un coup elle a fait un disque de pop. D'accord. On se demande d'où ça vient, mais j'adore son disque. Et voilà. Et moi, peut-être que je peux finir en disant que je vais faire une avant-première du festival le 5. Ouais, on va passer un film de Paco de Lucía, super, au cinéma, les variétés. Et moi, je vais jouer avec un copain à moi qui s'appelle Pablo Arrieta, avec qui je viens de faire un disque qui va sortir bientôt, qui s'appelle Nire Guitar Chuari. C'est un vieux texte, une poésie basque ancienne, où on a eu la chance d'avoir Pauline et Juliette qui sont venues chanter deux chansons.
Et on va faire, voilà, on va faire une petite apéro concert après le cinéma, après Paco de Lucia. On va voir la pression. Et donc, tu joues flamenco, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Là, c'est pas du tout mon truc. Okay. Ça. J'adore le flamenco. J'ai joué avec beaucoup de flamenquistes. Je connais los palos, les bolerías, ça, je connais. J'adore le rythme. Je comprends pas mal parce que j'ai quand même beaucoup joué, tu dois savoir, avec Carlos Benavente, Jorge Pardo. J'ai même eu la chance d'enregistrer avec Tomatito. J'ai rencontré Paco à l'époque aussi. J'ai passé une belle soirée grâce à Benavente. Mais non, je ne suis pas un flamenquiste, mais alors du tout, du tout, du tout. Et alors, donc, cet album avec Pablo Arrieta. Ça, c'est un album où on a repris des. C'est compo à nous. On a repris aussi des morceaux. On s'est rencontrés lors de masterclass à Madrid en 88. On était avec un certain John Abercrombie que tu as dû. D'accord, connaître. Ouais, voilà, ouais. C'était un peu notre prof commun. On rencontrait comme ça. Et donc, dans cet album, on fait un petit hommage à John. Des morceaux à moi, des morceaux à lui, des morceaux chantés. Voilà, c'est juste deux potes qui se retrouvent. On s'est retrouvés deux jours en studio, on a fait un disque qui va sortir bientôt, avec une belle boîte d'ailleurs madrilène qui s'appelle Caronte, qui produit entre autres Jorge Pardo, tout ça. Donc ça, voilà, c'est un beau petit disque avec un très beau son dans un très bon studio au Pays Basque. Ça sort et puis là on va le présenter en quelque sorte. Voilà. Très bien. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.